c'était hier et c'était une belle manifestation. Alors, cette démarche pour les femmes, je la veux très positive. Vous avez parlé de la situation dans le monde. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de la situation en France. Je crois que notre pays, déjà, il faut être positif. Notre pays, depuis déjà plusieurs années, fait des choses très positives. Être femme en France, il faut quand même avoir conscience que c'est une chance. Il faut le dire, c'est pas pour ça qu'il faut se voiler la face face à la montée de certains intégrismes, il faut être vigilante, il faut pas s'endormir aussi. Moi je suis vigilante, j'ai le bonheur d'avoir une fille, hein. j'ai des enfants, j'ai une fille, et je suis vigilante envers les jeunes générations. Pour en avoir discuté avec ma fille qui a évolué dans une famille moderne, ouverte, où garçons et filles ont été élevés de la même façon, elle avait tendance à penser que tout était acquis. Elle m'a dit, mais maman, les femmes, maintenant, pas possible, on ne peut pas régresser. Je vous dis simplement, ne vous endormez pas sur des acquis. Pour les femmes, rien n'est jamais, enfin, même pour les hommes, pour l'être humain en général, mais particulièrement pour les femmes, rien n'est jamais acquis. C'est pas parce qu'on vit dans un pays de liberté, quels que soient nos gouvernants, on a une démocratie qui ne remet pas en cause les droits des femmes et qui essaie au contraire de les promouvoir et de les amener à égalité réelle avec les hommes. Mais attention, soyez vigilants, on le voit dans les autres pays, dès qu'un pays se referme un peu sur lui, dès qu'il y a des soucis, eh bien, les premières victimes sont souvent des femmes. Donc les acquis ne sont jamais complètement acquis, je pense particulièrement, et certaines dames le comprendront par rapport à ce que j'ai vu ici, des acquis sur la propriété de notre corps. Je crois qu'il faut qu'on soit vigilant là-dessus et que les hommes nous y aident, bien entendu. Voilà ce que je voulais vous dire que pour moi, cette journée, en tant que préfète, en ayant la chance d'être préfète, je peux organiser une manifestation à la préfecture, mais je la vis surtout en tant que femme, en tant que mère et aussi en tant qu'épouse, parce que je crois que c'est important, la famille aussi, quand on est une femme. Et depuis bientôt 18 mois que je suis dans ce département, dans cette ville, j'apprécie beaucoup d'y vivre et j'apprécie beaucoup les relations tissées entre collectivités, administration et tout le travail que l'on fait en commun, et le sujet de la femme, des droits de l'homme et du partage, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien, et je m'en félicite, monsieur le sénateur maire, et également les parlementaires et tous ceux ici présents. Donc je serai toujours présente quand les causes seront justes. Merci beaucoup.